J-1, ultime réglage pour les 32 équipes de la compétition avant 2 jours de relais intensif. Et place au sport maintenant, comme tous les dimanches. C'est Sport revient ce soir sur la traditionnelle course du 1er mai, les 24 heures moto nautique. C'était ce week-end sur la Seine, autour de l'île Lacroix. À Rouen, les bateaux ont terminé leur marathon il y a à peine 2 heures. Et tour d'horizon aussi du reste de l'actualité sportive avec la découverte, entre autres, d'une course à pied plutôt délirante. Bonsoir à tous, ce week-end C'est Sport vous propose une immersion au cœur des 24 heures de Rouen, la plus grande course d'endurance motonautique du monde, avec cette année un plateau particulièrement relevé puisque les meilleurs pilotes F1 de la planète et leurs puissantes écuries étrangères sont venus défier les spécialistes de la discipline et notamment le champion en titre, le Normand Philippe Chiappe. C'est Sport, c'est parti! Que Rouen célèbre le 1er mai au rythme des 24 heures motonautiques. Comme chaque année, la Seine se mue en terrain de jeu pour des pilotes venus du monde entier. C'est vraiment une course, une belle course. J'attends toute l'année pour faire cette course. On est tout content d'être là avec notre team de France. Ça va être excitant pour nous. J-1, ultime réglage pour les 32 équipes de la compétition avant 2 jours de relais intensif. Sur les paddocks, quelques fans et des habitués de l'endurance motonautique déjà prêts à en découdre. Faut se battre, mais on va se battre. Sur quoi ça va jouer? C'est les 24 heures, ça peut jouer sur plein de paramètres. Mais on va faire du mieux qu'on peut avec... on y croit. Désormais, les locaux doivent batailler avec les meilleurs professionnels de la F1, comme Sean Torrent. Cette année, pour la première fois de sa carrière professionnelle, l'Américain a coché les 24 heures de Rouen comme l'un des objectifs de sa saison. J'ai toujours voulu participer aux 24 heures de Rouen. J'ai passé toute ma carrière à faire de la vitesse en Formule 1. Mais ici, c'est un autre type de course, une autre mentalité. Une mentalité à part où la puissance doit parfois s'effacer au profit de la stratégie et de la performance collective. Retour à notre fil rouge consacré aux 24 heures de Rouen. 10h samedi, l'heure du grand départ pour Carella, Torrent et consorts. Sur le plan d'eau, 3 classes de bateaux se disputent la pole position dans leurs catégories respectives. Le scratch, autrement dit le classement général, est habituellement remporté par les puissantes S1 et leurs 3000 cm3. Mais cette année, avec des moteurs plus résistants, les S2 peuvent contester cette hégémonie. C'est justement en S2 que l'Italien et le richissime team Abu Dhabi prennent les rênes de la course. Mais pas de quoi effrayer la S1 de Philippe Chiappe et de son team China. Ici, ou aux quatre coins du globe, le boss c'est lui. Double champion du monde de vitesse et triple vainqueur des 24 heures, le Normand a su attirer le monde de la F1 sur ses terres. Je pense que ça va vraiment être des clients. Ils peuvent être surpris par le plan d'eau parce qu'effectivement, il faut le connaître un peu. Mais beaucoup sont de bons pilotes, certains avec un peu moins d'expérience, donc ça peut être un peu plus dur pour eux. Mais le plan d'eau va être relevé. Malgré sa suprématie, le chef d'entreprise n'est pas considéré comme professionnel dans sa discipline. Son palmarès, il le doit à son intelligence et à son entourage. Chez les Chiappe, le motonautisme est une histoire de famille. Tom le fils fait ses gammes sous la houlette de la légende Scott Gilman. Peter Morin est le coéquipier de Philippe et le mari de sa fille Fanny, la radiomane du clan Chiappe. C'est vraiment un lien privilégié et si le dénouement c'est la victoire, c'est forcément merveilleux pour tout le monde. La nuit est tombée sur Rouen, les pilotes entament désormais leur 13e heure de course consécutive. Mais avant de les retrouver, retour sur toute l'actualité sportive de la semaine. Pas de répit la nuit pour nos 120 pilotes. Naviguer sur la Seine dans l'obscurité à plus de 200 km/h, un plaisir non sans danger. Vigilance donc pour Chiappe et les siens désormais en pole position. Mais Alex Carella et le team Abu Dhabi restent dans le sillage du français jusqu'à ce premier incident. Pas d'hélice cassée, le bateau 35 et son pilote transalpin doivent regagner les paddocks. Une avarie qui donne un peu d'oxygène au clan Chiappe. Antonio Iunuse,
On observe un peu la concurrence, ils viennent de rentrer. Nous, ce matin, on a eu des problèmes d'hélice. Là, ils ont changé l'hélice, donc je pense qu'il y a un peu d'épave sur le plan d'eau. On ne peut pas être vigilant la nuit puisqu'on ne voit pas grand-chose. Donc maintenant, c'est un petit peu au petit bonheur la chance et on espère finir la nuit tranquillement jusqu'à 1h et puis reprendre demain matin la course 2 jours. 10 minutes plus tard, nouveau problème pour l'équipe émirati. Cette fois, c'est la boîte à clapets qui fait défaut 40 minutes avant la fin de l'épreuve de nuit. Dans les paddocks, la tension est à son comble pour le team manager Guido Capellini. 10 fois champion du monde de vitesse chez les pilotes, l'Italien met désormais son expérience et sa ruse au service des pétrodollars. Mis en échec par Chiappe en F1, il est venu chasser sur les terres du Rouennais avec une furieuse envie de revanche. Les 24 heures ne sont pas encore finies s'il n'y a rien de grave au niveau du moteur. Dernières heures de course ce dimanche avant l'épilogue de ces 53e 24 heures. Sous un ciel radieux et devant son public, l'écurie de Philippe Chiappe continue de creuser l'écart. Tu es régulier, tu tournes en 1.24, 1.25, 1.26. Le Abu Dhabi est toujours derrière toi à 10 secondes. Là tout de suite, le mot d'ordre, c'est la régularité, c'est ménager au maximum le moteur, la coque, l'électricité également. Donc là, le mot d'ordre, c'est de tourner aux alentours d'une minute 25, une minute 28 pour quand même garder une distance assez raisonnable avec le deuxième bateau du team Abu Dhabi. Et pour le moment, c'est ce qu'on fait et ça a l'air de marcher. De son côté, le team Abu Dhabi subit sa 3e avarie de la compétition et voit ses chances de s'imposer au classement général s'envoler. Seul en tête depuis plus de 10 heures, le team China s'impose finalement avec 41 tours d'avance. 4e victoire consécutive pour Philippe Chiappe, mais l'émotion est toujours intacte. Tous nos concurrents ont eu beaucoup de problèmes, ça ne nous a forcément pas cité à tâche, mais à 21h on a repris la tête, après c'était géré. C'était beaucoup moins agréable aujourd'hui qu'hier, hier c'était du bonheur, on s'est lâché, on a pris beaucoup de plaisir. Je suis vraiment déçu pour beaucoup de teams qui ont énormément bossé aussi, qui s'est cassé, il y a eu plein de problèmes, le plan d'eau était vraiment très dur. Ça aurait été mieux si tout le monde était là et voilà, mais je pense qu'ils vont tous rebosser. L'année prochaine, on fera encore un beau spectacle comme cette année. Les étrangers ont vraiment mis la gomme aussi. Comme Alex Carella, les pilotes de F1 ont certes mis la gomme, mais restent une nouvelle fois dans l'ombre du Français. On a fini 3e d'Ascrèche et première de NS2. C'est vraiment beau pour les premières années ici avec cette team-là. On est vraiment contents. Les Normands restent maîtres à Rouen, mais les 24 heures aiguisent plus que jamais l'appétit des meilleurs mondiaux. Voilà, c'est sport, c'est fini. Merci beaucoup de nous avoir suivis. À la semaine prochaine.